revenez à l'intérieur de la tête. Se détend et s'ouvre. Le palais de Shunji s'éclaircit à l'intérieur. Le palais de Shunji est un endroit un espace à l'intérieur où notre cerveau et tous les neurones ont créé quelque chose de particulier. Physiquement. Le champ de chi des neurones dans cet espace a fusionné et s'est transformé tellement profondément que le chi est devenu très pur et s'est éveillé. Est devenue une nouvelle qualité de chi c'est le chi de Yuan-Ti, le chi du champ de conscience. Ce chi est capable de recevoir des informations. Et ça, tous les animaux peuvent le faire et les plantes peuvent le faire. Ce chi est capable d'envoyer des informations. De nouveau, toute la nature et les animaux savent le faire aussi. Ce chi peut imaginer des images, peut imaginer l'univers, et à travers l'image, se connecter à l'univers. C'est une capacité que seuls les animaux ont. Il faut déjà un champ de chi avancer pour pouvoir réaliser ça. Une conscience développée. Pouvoir imaginer la nature, les montagnes, les rivières, toutes les milliers de formes de vie qui sont en train de s'éveiller. Dans le petit matin, les formes de vie des bois qui sont en train de frémir, de chanter, de frayer, depuis l'intérieur de la terre jusque en haut des arbres. C'est tous les bois qui s'éveillent, c'est toutes les plantes. Se redresse et pointe vers une nouvelle journée dans le ciel bleu. C'est toute notre société qui s'éveille pour faire ses activités. C'est toute la société
de l'autre côté de la Terre, qui s'éteint et arrête ses activités pour s'endormir. Il est déjà 7 heures du soir en Nouvelle-Zélande. Cette journée est déjà finie pour eux. Alors que pour nous, elle commence. Ils entament leur printemps alors que nous commençons notre automne. Les Israéliens viennent de fêter leur nouvel an et ils sont déjà en an 4000 et plus, 4500 quelque chose. Nous sommes toujours en an 2020. Tous les autres animaux et la nature de la Terre n'ont aucun calendrier, aucune horloge, si ce n'est l'horloge biologique. La capacité à pouvoir imaginer est amenée naturellement la capacité à pouvoir rêver. Observez à l'intérieur de la tête, dites Shunji doucement. Et ayez une seule intention, celle d'observer les changements à l'intérieur de la tête et d'observer de plus en plus finement. De manière de plus en plus simple et pénétrante. Continuez silencieusement. Observez ainsi, nettoie et purifie l'intérieur de la tête, de tous les blocages du chi et de l'information du sang. Tout se vide et tout peut circuler librement. Et ça se fait spontanément parce que notre envie d'observer nous emmène vers des espaces de plus en plus fins, détendus.
centre de la tête s'éclaircit et s'illumine et fusionne avec tout l'intérieur du dantien supérieur. Le dantien supérieur s'ouvre et fusionne dans le champ de conscience et d'amour. Notre curiosité, notre intention se porte sur que se passe-t-il à chacun des sons. Qu'est-ce que ça fait? Et nous ne sommes pas obligés de comprendre ce que ça fait, mais de le vivre simplement. Palais de Shenji, tout le Dantien supérieur fusionne avec tout l'axe central, tout le corps de Qi qui s'illumine, se détend et s'ouvre. La formation de Shenji pénètre dans tout le système nerveux central, se change en Qi et s'ouvre. Et le corps de Qi devient plus pur, lumineux, transparent et s'agrandit. Et ne ramenez votre curiosité uniquement à ce qui se passe lorsque vous dites Shenji. Plus vous pouvez observer de manière stable les changements profonds, plus votre Kung Fu s'améliore, plus votre capacité de pratiquant, d'être humain s'améliore. Vous êtes capable de pénétrer des espaces de plus en plus fins et naturellement, il se transforme, change avec la douceur de votre regard, la tendresse de votre bon cœur. Ces espaces profonds se réharmonisent et c'est une guérison profonde pour tous les espaces qui sont observés, pour tout le corps de Qi. Cela semble simple, pourtant c'est très profond et bienfaisant.
Plus votre attention se détend, plus votre volonté se détend, plus vous êtes à même de recevoir, de percevoir les espaces profonds qui se transforment, échangent, s'éclaircissent et deviennent transparents, comme de l'eau pure au travers de laquelle on peut voir librement. Plus l'on se détend, plus on peut recevoir. Et il n'y a rien à aller capturer, à aller saisir, à aller chercher. Mais au contraire, il faut détendre, lâcher prise. Relâcher son étreinte pour juste laisser recevoir, accueillir, venir à nous, tout vient à nous, il n'y a rien à aller chercher. Parce que tout ça se passe dans notre conscience. Tout vient à nous spontanément, amicalement. Si l'on ne veut rien saisir, alors rien ne résiste. Pourrait donner l'importance aux pensées, aux émotions, aux sensations. Mais au lieu de ça, on donne de l'importance à ce qui se transforme, ce qui change. Et des espaces de plus en plus fins, de plus en plus doux, profonds, se changent. Des espaces de plus en plus clairs, lumineux et transparents se transforment et tout se transforme avec. C'est un grand soin pour notre âme, notre conscience, tout notre corps de chi. Observez l'espace entre les sourcils, les enchantines. Expérimentez les transformations dans cet espace. Tout devient plus doux et plus tendre, et tout peut circuler librement au travers. Le centre
centre de la tête se connecte avec l'espace entre les sourcils, in town. Il se relâche et s'ouvre à l'intérieur de la tête. Aéroé, la porte du ciel change, vibre et s'éclaircit au rythme des chanoji. C'est que ces changements sont tellement doux qu'ils demandent beaucoup de détente pour être perçus. Beaucoup de tranquillité à l'intérieur pour simplement les regarder et d'ouvrir, de détendre notre intention. Sinon, notre volonté est trop forte et nous ne pouvons pas facilement les observer. Nous sommes trop tendus pour voir. Mais plus nous nous détendons, nous pouvons laisser venir à nous les transformations. Et cela semble plus simple d'observer, demande moins d'efforts. Nous n'avons pas à chercher quelque chose. Nous n'avons qu'à remarquer les changements, peu importe ce qu'ils sont, ce qu'ils signifient. Juste remarquer que ça change. La conscience, progressivement, en fait de moins en moins. Et observe de plus en plus simplement. L'espace devient de plus en plus pur. Vous savez, nous sommes composés à plus de 99% de vie. Nous sommes semblables à l'univers. Observez la porte du ciel, le centre de la tête se connecte avec la porte du ciel. Vibration de Shenji passe au travers de tout le corps de Qi. C'est comme une note de musique qui fait vibrer l'espace de notre être. Vide à l'intérieur.
s'approfondir, tout se réorganise, tout s'harmonise. Plus en plus profondément, nous devenons saints et unis avec tout l'univers, un espace ouvert. Tout s'harmonise de plus en plus profondément, s'éclaircit, transparent, vit. Avec toute la communauté de conscience et d'amour. Et vous pouvez écouter entre deux shunji le silence, la quiétude. Il y a un temps de libre entre deux shunji. Un moment de disponible qui n'appartient à personne. Tout le corps de Chi se réharmonise, se réaccorde de plus en plus profondément. Toute la conscience et toutes les informations viennent de plus en plus pures. Positive et profonde. Mais n'essayons pas de saisir ces états, plutôt d'en observer les changements. Au rythme des shunji et des espaces libres entre les shunji.
Rappelez-vous ce que vous voulez vraiment. Quoi que vous fassiez d'expérience, ne vous attachez à rien de fixe. Aucune idée, aucune sensation, ne leur donnez pas d'importance. Donnez de l'importance toujours à ce qui change, ce qui se transforme. Et laissez la transformation éroder et défaire toutes les tensions, toutes les idées. Se détend de plus en plus profondément, devient de plus en plus doux et tendre. Le corps de chi et la conscience. Observe et en même temps sont ouverts dans l'espace de l'univers. L'espace, tout se déroule dans un espace. Tout ce que nous percevons contient de l'espace et est entouré d'espace, de volume, de place. C'est dans un environnement spatial. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous sentons, et tout ce qui entoure ce que nous voyons, que nous sentons. Et cet espace est vide. Profond.
se présente dans les sensations, dans la conscience, dans les idées. Quelque importance que ça ait, revenez toujours à ce qui se transforme, à ce qui change. Et laissez le reste s'évanouir dans la transformation. Et détendez-vous, nos bons cœurs, nos purs esprits sont ensemble avec toute la communauté de conscience et d'amour. Et on peut se détendre de plus en plus, comme si dire Shanti devenait secondaire. Notre intention devenir de plus en plus douce, de plus en plus fine. Notre intention d'observer vient de plus en plus détendu, de sorte que nous n'en avons plus beaucoup l'intention, mais que naturellement nous observons. Se détend de plus en plus profondément. Ce vide devient transparent, circule librement jusque dans l'univers. Entre chaque shanti, le moment s'ouvre et se suspend. Toutes les perceptions sont les bienvenues. Tout peut faire résonner avec douceur la conscience, peut être perçue.
Cela ne veut pas dire que l'on doit se pousser à tout percevoir. On peut se détendre. Mais tout ce qui est reçu, tout cela est perçu. Il n'y a pas d'exigence à avoir vis-à-vis de ça, mais juste de recevoir et d'ouvrir, d'accueillir. Comme une mère qui ouvre ses bras à ses enfants. Comme un amoureux, une amoureuse, qui ouvre ses bras à celui qu'il ou elle. Nous ouvrons nos bras à la vie. Nous ouvrons notre cœur pour recevoir de tout cœur. Peu importe ce qui se passe, nous revenons toujours à ce qui se transforme. Donnons toujours plus d'importance, plus d'intérêt à ce qui se transforme qu'à ce qui semble se figer. Parce que rien ne se fige, tout continue sa transformation. Certaines transformations sont rapides, d'autres sont plus lentes, mais tout se transforme. Certaines transformations sont visibles, d'autres plus profondes. Et en permanence, l'espace change, évolue. S'enrichit de nouvelles dimensions plus profondes, plus vastes, plus pures. Les pensées elles-mêmes ne font que se transformer en permanence. Et à chaque fois, elles semblent importantes. Et à chaque fois, elles ne le sont pas. Change et évolue. Tout continue sa course à travers nous pour rejoindre l'univers. Rejoindre toute la communauté de conscience et d'amour qui nous accueille le cœur et les bras ouverts. Et nous nous fondons dans la communauté de conscience et d'amour du fond du cœur, du fond de notre esprit. Avec gratitude et reconnaissance. Nous sommes ensemble. Avec le docteur Pang. Avec la science du Zen Qigong.
Tout devient très pur. Mes consciences dans le temps tien supérieur. Et si vous voulez, vous pouvez arrêter de dire Shanti. Souriez dans le temps tien supérieur. Le cou et la gorge. C'est tout le pur champ de chi, conscience et d'amour. Les informations du docteur Pang, de la science du qigong, qui transforme à l'intérieur. Des épaules et des bras. Souriez à l'intérieur. L'intérieur des épaules, des coudes, des avant-bras, des poignets. Des mains et des doigts. L'intérieur du tantien médian. Laissez tout tomber. Le haut du dos, les omoplates. Toute la cage thoracique. Aussi lumineux, pur et transparent. Sous les seins, l'intérieur du tantien médian. Le cœur. S'illumine et s'ouvre.
L'arrière du cœur, Shenzhou, se relâche et se vide. Côté du cœur, les Tapao, se relâche et se vide. L'avant du cœur, Tanzong, se relâche. Se vide. Le tantien médian vient profond, ouvert. Tout le champ de conscience et d'amour. Toutes les informations de la science du Qigong fusionnent à l'intérieur du tantien médian. Cœur. Du palais de Shanti s'harmonise avec le cœur. Du tantien médian inférieur. Des jambes et des bras, tout le corps de Chi s'harmonise dans le champ de conscience et d'amour. Les poumons, ouverts, lumineux et transparents. Tantien inférieur, lumineux, transparent, ouvert, le foie, la vésicule, les reins, le pancréas, l'estomac, la rate. Les intestins, la vessie, le système reproducteur, tout l'espace des jambes, la colonne vertébrale, s'ouvre et s'agrandit, le cervical, notre pur champ de conscience et d'amour pénètre dans tous les espaces des cervicales de Chi. Les thoraciques, les lombaires, du sacrum, du coccyx. Les articulations et les os des jambes, des hanches, des cuisses, des genoux, des mollets, des chevilles, des pieds, des épaules, des bras. Tantienne supérieure s'harmonise avec le tantienne médian, s'harmonise avec le tantienne inférieur, les bras et les jambes. Tout est pur et s'ouvre dans le champ d'amour, de conscience. Merci au docteur Pang. À tous les professeurs, à tous les pratiquants.
d'avoir la chance de vivre ça, de connaître ça. Merci à tous les maîtres et tous les élèves, avant Dr Pang, tous ceux qui ont permis que tout ça soit possible, toutes les femmes qui s'occupent des maisons des maîtres et des pratiquants, tous les enfants qui s'occupent des travaux, de toutes sortes de choses dans la famille des maîtres et des pratiquants, tous les amis, tous les voisins, tous ceux qui ont aidé tous ces êtres et tous ces gens tout au long de leur vie, tous ceux qui leur ont vendu de quoi manger, se vêtir, habiter, tous ceux qui leur ont donné de l'aide. C'est tout le monde qui permet qu'aujourd'hui nous puissions vivre ce moment. C'est le soleil qui a fait pousser la nourriture, la pluie, le ciel et la terre. C'est l'univers qui a permis la terre et notre vie. C'est les étoiles et c'est toutes les galaxies qui font que notre terre a pu se mettre près d'un soleil et qu'elle devienne fertile. Un peu plus loin, et ce serait Vénus. Un peu plus près, et ce serait Mars. C'est tout l'univers qui permet que nous vivions ce monde. C'est tous les animaux, la nature et tous les êtres. Et tout revient profondément à l'intérieur, dans le tien supérieur. Du cou et de la gorge. Dans le tien médian. Et des bras, du tantien inférieur, du bassin et des jambes. Superposez les mains sur le nombril. Tout le champ de conscience et d'amour. Revient à l'arrière du Tantien, dans le palais de Miguel, pour nourrir le Qi, la conscience et l'amour, pour nous comme pour tous les êtres, tous les espaces et tous les temps, et pour tous ceux qui viendront après nous. Pourront pratiquer parce que nous continuons, comme depuis toujours. Qui amèneront la terre et l'humanité à son plein éveil, à son plein essaim. Merci. Sentez la respiration profonde, gentiment repousse les mains. Nous sommes un avec l'univers. Nous sommes un ensemble. Avec tout le champ de conscience et d'amour. Séparez les mains et bougez doucement pour vous sentir bien partout. Ne bougez que pour vous sentir bien et laissez tout le reste disparaître dans cette sensation.
Passez le visage doucement. Détendez le crâne. Le cou. Bougez librement. Merci beaucoup pour cette séance. Merci beaucoup.